Hey yo, salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bronze à diamant. On est parti, non je vais start avec, si je start avec Doran. Hop, on est parti sur un Twisted Fate mid lane. Un champion qui est très fort en ladder solo. Par contre quelqu'un a bougé le chat et je sais pas du tout comment on fait pour si vous pouvez m'aider. Oui je ne sais pas comment on fait pour rebouger le chat. Il y a une invade qui est prévue parce qu'ils ont Blitzcrank bien évidemment. Alors faire gaffe. Tout passe par en bas, mais la Zyra qui est très mal posée mais qui met un bon route, faudra faire attention quand même. Bon, le Gram n'est pas passé, du coup bon, ils vont relâcher. Ils vont relâcher l'agression. Je suis unique. Elle va pas les provoquer ma petite Zyra. Donc on est parti sur un Twisted Fate. Contre le blanc, on s'est fait counter pick parce qu'on l'a first pick. Mais le champion est très fort en ladder solo parce qu'il a cette possibilité d'aller surprendre, de décaler très rapidement avec son ultimate. Il a une tenue lane qui est plus que correcte. Et du coup ça devrait plutôt bien se passer. Ouais, fait une distorsion pour mettre juste une petite auto-attaque sans grande gravité pour le moment. Ça va être compliqué par contre la phase de lane contre le blanc hein, ça je vous l'accorde. C'est juste une question de chance. On est en train de m'expliquer comment faire pour rebouger le chat. Bon là c'est pas très dramatique. What? Je flash? Oh. Ah oui c'est vrai que j'ai cru que j'avais une ignite. Du coup elle a totalement stressé mais bon. J'ai fait de la merde. Je perds mon flash là dessus, c'est assez débile. J'ai cru que j'avais ignite, du coup j'ai voulu l'ignite là. Parce qu'il y avait carrément moyen de la défonce. Et j'ai utilisé mon flash. My bad. C'est la première game de la journée les amis. C'est pas dramatique. Mais bon c'est relou de devoir jouer sans flash du coup. Mais je peux m'en vouloir qu'à moi même. Après ça peut bait. On va essayer de bait grâce à ça. J'ai été body block par les creeps. On peut tout ça dans ma bague hein, vu qu'on a plus de flash. On va pas prendre de gros risques. Tranquilou. Allez, on est reparti à la base. C'est où exactement? Non, je ne vois pas. On va prendre une ward, faut tenir le fait. Tu cliques sur la barre en haut du chat et tu bouges où tu veux. Elle est où la barre? Comme ça, c'est qu'elle est invisible la barre. Où es-tu, petite barre? Non, elle n'est pas là. Un allié a été tué. I don't know. Juste une question de chance. Premier sang. Bon, le first blood qui est récupéré bot lane. Je sais pas du tout où est leur jungle. Après ça va c'est Shyvana. Je risque pas non plus grand chose. Donc ça c'est bien avec Twisted Fate, c'est que vous pouvez farmer un petit peu de manière sécure. Je me rends pas du tout quel back. Et voilà le gank qui s'est fait. S'y attendait un peu, il y avait la gold card au cas où ça me fait chase. On a essayé de me faire un petit bait au back, ça me dérangeait pas du tout qu'il y ait back à ce timing là. Après on a une triple carte qui est assez... qui est assez longue au niveau de la range. Non ça va tenir. On est bien là. J'ai juste posé une ward sur mon côté droit. Voilà, on fait le back. Plus elle perd du temps, mieux je suis. Pourquoi? Parce que si elle back, elle va pouvoir reprendre l'ascendant de la lane hein, avec un peu de stuff. Là, j'ai l'avantage d'avoir un back supplémentaire. Tant mieux, je peux tenir tranquillou. J'ai plus de ward sur le côté supérieur. Voilà, la Shyvana qui vient pour.
Shyvana qui vient tenir la lane, donc du coup mes coéquipiers ont l'information sur Shyvana. On a l'ultimate. Et on va faire le premier back, le deuxième back pardon pour nous. Ah oui, ça y est, je viens de comprendre. Merci. Je viens de comprendre la chose que j'ai oublié de faire. Toujours sur les routes. On va appuyer sur la barre d'entrée. Voilà. Merci les gens. J'ai l'air un peu stupide hein, du coup. Mais merci, merci César. Ah, c'est quand même mieux. Je suis même plus sûr de sa position, mais on va le laisser là, c'est très bien. On récupère le flash dans 30 secondes, du coup ça va, on n'a pas trop subi non plus le fait d'avoir misclick le flash. Là, il va falloir se rendre utile avec des bonnes destinées. Il va avoir une vision sur toute la map. Ouais, je perds ma gold card. C'est pas la bonne. Oh, c'était la bonne! Oh, le génie! Mais moi, je me suis fait brain. Un allié a été tué. On a utilisé quand même pas mal de choses. Kane est mort en même temps. J'ai fait un peu de la merde là, je suis pas très haut dans ma game. J'ai quand même récupéré la 6, c'est le principal. Mais j'étais persuadé que c'était l'autre. Elle a très bien joué avec son ombre. Je suis pas dedans. Il va falloir se reprendre très rapidement. Surtout que botlane ça se passe pas super bien, je dois donner un petit coup de main. Là j'essaie de mettre des dégâts à Shyvana pour que derrière elle puisse pas non plus trop bouger. Là on est très très bien. Personnellement. Enfin, attention au côté supérieur, regardez le Jace qui va avoir le tribush, on prend l'information. Pas trop besoin du buff bleu. On peut tenter un décal bot lane. Un décal à pied, c'est pas mauvais avec Twisted Fate, hein. Vous avez quand même des bonnes gold cards. Ah, pas ce moment là. Ah, c'est la pire. Et du coup là je me fais coincer. C'est grave parce que regardez, je me fais coincer et du coup je peux pas remonter par ici. Là je suis totalement en danger à cause de cette mort de la Zira. Là le blanc peut m'attendre ici et du coup maintenant je me suis mis pas bien alors qu'en fin de compte c'était moi qui étais censé faire le move. Ouais, c'était wardé bien sûr. Et là du coup moi je dois faire tout le tour pour remonter sur ma mid lane. Il fait pas attention, du coup je suis obligé de le suivre. Je suis obligé de rester avec lui au cas où on se faisait intercepter. Donc faut jouer en fonction de ce que font vos coéquipiers aussi hein. Vous pouvez pas jouer uniquement par rapport à ce que vous avez envie de faire. Ça reste du 5 contre 5. Je vois que botlane ça se passe pas bien, j'ai tenté un décal. Le problème c'est que la Zira elle se fait grave au pire moment. Parce que du coup j'ai perdu mon temps. Et ça je pouvais pas le prévoir qu'elle allait se faire défoncer. Dommage j'ai pas mon teammate. Voilà, 18 secondes avant mon ultimate. Toujours sur les routes. J'ai un petit niveau d'avance sur là le blanc. Et là mes atouts commencent à faire beaucoup de dégâts, je vais pouvoir push facilement avec. Il met aussi cher hein, là il a plus d'ultimate. Ah, dommage, rate mes atouts alors qu'elle était ralentie. Donc là elle est pas bien là le blanc, je gagne ma lane. Votre tourelle a été détruite. Ils sont pas buggés mes atouts. C'est juste une question. Combien 150? Chance.
va y aller. Ah, dommage, je récupère pas le kill. Ça m'aurait fait du bien. Donc, l'ultimate de Twisted Fate, faut essayer de l'utiliser à chaque fois. Hein, de l'avoir disponible, c'est pas. Tiens, je bug directement. C'est pas important. Enfin, c'est nul de le garder un petit peu. Oula. Faut qu'il fasse gaffe parce qu'il y a du monde qui arrive. Donc je disais, c'est pas important de le garder disponible parce que certes c'est bien parce que ça vous permettra de bouger à tout moment, mais en le gardant disponible, parfois vous n'allez pas avoir beaucoup d'opportunités, donc faut les provoquer dès que vous en avez même une petite. Certes c'est pas ouf d'aller tuer un Jace, mais c'est mieux que rien, et dans tous les cas avec mes adversaires vous pouvez rien faire. Regardez, je perds même pas un CS. Alors que si je veux constamment le garder, finalement il va pas me servir à grand chose. Par contre, moi ce qui me fait peur c'est bot lane. Hein. J'ai l'impression qu'on revit la game d'hier. Ils sont à 0-5 et 0. Il y a que en fait la Zyra en fait. C'est même pas la bot lane, c'est la Zyra qui, à mon avis, se prend grab sur grab. Farm tranquillement. Je sais pas du tout où est la Shyvana. Bon, bah très bien. La botlane qui assure pas, et pourtant cette game était totalement pour l'instant gagnable. Mais bon, là il y a des games comme ça, là vous pouvez rien faire. Hein. S'il y a vraiment du 0-50 bot. Donc, ça arrive pas si souvent que ça, mais quand ça arrive, malheureusement vous êtes limité. Seulement où j'ai voulu décaler botlane, bah la Zyra malheureusement. Carry. On va essayer de carry les amis. Parce que là c'est chaud, j'avais pas le droit de me louper sur ce coup là. Allez, allez. Oh je meurs pas, je meurs pas si je. Oh je t'aime Shen. Tiens ouais je ma gueule. On va essayer de la carry cette game. On arrive à faire du 1v2 avec un bon cheat chain dessous, même si je mourrais c'était totalement rentable pour moi, je fais perdre du temps en biscrank. Eux ils arrivent un petit peu à farm et il en faut parce que voilà, ils sont tellement dans la mouise. Et derrière j'arrive à récupérer quand même le double, je récupère un blue buff là dessus, c'est parfait. Mais ça veut pas dire qu'on va gagner cette game. Récupérer le shutdown, récupérer le shutdown, respectez-vous. Ouais ça va. Shutdown. Même si c'est la Zyra qui l'a récupéré, on a perdu la tour top. Et vraiment j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui suis bien dans ma game. Et encore j'ai dû faire un plays en 1v2. Oula. Tiens. Il restart son internet, mais le problème c'est qu'il le fait au moment où il y a mon buff bleu. Et je vais. Fais quoi la Shyvana? Ok, on peut pas. Non, on peut pas. C'est une très mauvaise idée. Ça ne sert à rien. Il suffit de lire le jeu. Tu as un Wukong qui est en train de restart son internet. Vous pouvez répondre à la question sur l'IRC1. Un Wukong restart son internet. Shyvana décale, on la voit grâce à la ward. Une Leblanc a décale aussi. Et une botlane qui est en train de dominer décale aussi. Vous pouvez être potentiellement que 3. Sachant que le T-Chain est aussi en cooldown. Qu'est-ce que la Zyra va faire? Réponse A, elle va fetch check et elle va mourir. En attendant, on va essayer de tenir les lanes. Le Jace, faut que je fasse gaffe parce qu'il met un combo. Il me défonce. Bye back. Pouvoir pousser une lane de plus. Là dans tous les cas faut qu'on attende le Wukong, hein, il a fait une petite déconnexion sur internet, donc je vous l'ai dit, hein, ça arrive à tout le monde, même à nous ça nous est. Enfin. Il y en a hier qui posait la question, est-ce que ça était déjà arrivé des décos, etc. dans le bronze à diamant, bien sûr, la preuve. Il y a quelqu'un qui lag, qui est obligé de se déconnecter. Et c'est pas pour autant que la game est perdue. Certes, il vous prend un énorme avantage, hein, logique. Il joue pendant une certaine durée en 5 ou 3. Il en faut plus pour perdre une game, faut pas surrender pour ça.
Elle a rush une banshee. Bon, au moins, elle se prendra plus de grab. Hein. On n'arrive pas même pas à récupérer un kill. Non, non, non. Yes. Interruption récupérée, 500 gold. Allez là! Jouez les gens! Je suis pas tout seul! Ah, je l'ai pris trop tôt. Je l'aurais pu ma carte. Ouais, c'est pas dégueu si on récupère le kill, même si Zira meurt, en fait. Elle est pas morte. Voilà! Arrêtez d'avoir peur là, s'il vous plaît! Je l'ai dit, hein, malgré tout, il faut quand même la gagner cette game. Malgré une botlane à 0-10. Malgré un jungler qui lag et qui déco. Faut que vous restiez concentré, c'est ce que je fais, je reste concentré, j'essaie de limiter les erreurs et de rattraper les erreurs des autres. Et de profiter bien évidemment des erreurs adverses hein, parce qu'ils en font. Back rapidement. Je vais aller sur un Zonia. On a max de ward. Il va falloir du contrôle. Petit en 30. Ouais, j'ai claqué mon gosse pour au cas où j'avais une opportunité. Bon, c'est pas dramatique. Le cooldown est très très rare. Vous avez vu, on a déjà récupéré la moitié. Hein. Soyez pas égoïste sur votre ghost. Parce que s'il m'aurait obtenu un kill, ça aurait été ouf. Et si m'obtient rien, c'est pas dramatique. Attention là, pas vraiment de se donner. On peut poke hein. On est bien dans une position défensive. Je récupère mon gosse dans 1-20, mon flash dans 2-17. Par contre le flash il est très très important ce twisted fate hein. Faites très attention à quand vous l'utilisez. Il y a un gros push, la souris qui fait des siennes. Botlane, il y a un très gros push, ils vont sûrement devoir défendre. Allez, on peut mettre la foudre à elle. C'est cher là, pas mal. La blue card, c'est qui fait plus de dégâts, ça n'a pas suffi. Bonne card là. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. On défend bien. Oh là là, ils sont tous weak. Ouais, c'est pas mal ça. Je vais m'y retourner. Il faudrait voir s'il y a le Drake. Elle a pris la gold, elle a pris la gold. Allez, passe plutôt de mec. Allez, voilà, putain, c'est pas dur. Allez, venez les amis, j'espère qu'il y a le Drake, ce serait cool pour nous. Ah, oh, nice ça. Allez, 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 allez là. Faut que ça joue, faut que ça joue. Prends ta gold, toi, prends ton combo. Oh, le Drake. Tu vas nulle part, mon pote. Je vous ai dit, ça carry totalement tout cette fête là. Vous voulez monter, c'est pas dur. Vous jouez un TF, vous avez vu la game comment elle était dégueulasse. Et regardez malgré tout comment on arrive à carry. Même si c'est pas fini, on remet l'équipe entre guillemets sur le droit chemin. Et ça, c'est important. Merci. J'espère que tu vas en faire bon usage du bleu. Non, c'est pas de sa faute, c'est moi qui ai lâché le combo trop tôt. Ok,
Joker. Ult 20 secondes. Def. Pas de touche à mon chapeau. Allez, j'arrive. J'en peux une de plus. Normalement, ils sont pas censés se faire grave. Enfin, là, il y a juste des graves de blessement qui pourraient être problématiques. Allez, j'arrive pour défendre. Bientôt mon Zonia. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Oh non, j'y vais pas. Ouais, c'est une Tristana. Bah, j'ai été un petit peu solo le petit Shenou. Bon, après, ça reste un seul mort, c'est pas dramatique. Faut back, tranquille, on tempo le chaîne. Ils ont tout donné sur un kill. Le chaîne va revenir, il a son ultimate en plus. Oh. Il y a eu un très beau route de Zira, dommage que je n'étais pas là. Il y a une bonne wave top. J'ai plus d'ultimate du coup. Mais ça leur a mis la pression, ça les a forcés à reculer. J'ai mes summoners qui sont dispo. Elle a flash là, la Zira ou... J'ai l'impression que j'ai posé 50 wards dans cette game. Peut-être une impression. Là, il y a un petit catch qui peut se faire là. C'est pas moi d'aller devant, j'ai pas encore mon Zonia, c'est pour ça là j'essaie de farm. Avec joie. Là c'est bon, je l'ai. Please, 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 faites pas de bêtises, faites pas de bêtises qu'on pourrait payer cher. On a la game entre les mains. Allez, j'ai le Zonia, j'ai tout. C'est parti. I want to win. Je vous rappelle que c'est une game pour le BO. Donc si on gagne, on est platine 1. Je préfère le fifou non plus. Pourquoi tu ulti pour Tristana au Buzz John? Parce que je l'avais déjà activé pour prendre la vision. Du coup il fallait que je te paye quelque part. Je vais mettre des gros dégâts. Je vais mettre des gros gros dégâts. Dommage. Bah oh, elle a pris la gueule. Elle a pris la gueule, elle prend cher là. Ouais, nice. Allez, 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 allez. J'arrive, bro. C'est vrai, j'avais pas une Golka. Tu crois que je t'ai oublié ou quoi? Je te vois, bro. I see you. Je te laisse pas back. Bot getting carried, je suis assez d'accord. Après c'est pas encore gagné. On relâche pas. Faut pas que je donne mon shutdown. Je reviens sur un Lich Bane. On va prendre la boost speed. On a combien, ça donne combien de ça? Plus 5%, c'est pas mal hein. C'est pas dégueu, plus 5% de vitesse de déplacement. Ouais, je sors une bleue. En ZZ. Parfois il vaut mieux faire juste ZZ hein. Vous faites juste ZZ et bon voilà. Là j'ai deux bleus coup sur coup mais... Mais au moins votre adversaire ne peut pas anticiper le fait que vous alliez lancer une carte. Ça bait, ça bait. Le bait est total. Invincible babies. Et toi quoi tu joues? Ah le Zonia ça fait trop du bien sur Twisted Fate. Attention Zira. Elle est morte. Elle est mourue. Parce que les solos, elle a aucune raison. On est très fort en A5, on est très fort en équipe et la meuf se promène solo, elle a juste. Pas compris son rôle je crois. Après ça vous y pouvez rien, on n'est pas encore à très haut niveau donc on va dire qu'on pardonne ce type d'erreur mais faites attention à ça hein. Si vous faites ce type d'erreur là ça va vraiment vous empêcher de monter.
Enfin, on a de la shore, on est une compétition qui est très forte regroupée à 5. Et elle se promène solo autour de, du baron de la shore, ce qui sert strictement à rien. J'ai de bug du coup. Je vais faire une petite rotate. On est 5-0-7, là on a fait une game parfaite et franchement c'est dur, on a eu des déconnexions sur le jungler, on a eu une bot lane qui était à 0-10, donc ça peut être démotivant pour certains, mais la preuve qu'il faut rester vraiment concentré sur sa game, j'insiste là-dessus parce que il faut absolument pas que, pour vous ça soit le cas, il faut toujours rester là, là dommage, on a une erreur de positionnement de la part des deux, ils doivent être présents, enfin de la part des deux, non de la part de la Caitlyn pardon, parce que Shen a son ultimate autant pour moi, j'ai vraiment plus l'habitude de jouer avec un Shen. Il y a juste derrière, elle va toucher le smite. Je l'ai eu. La Zirak encore une fois très mal placée. Bon, elle a sa Banshee. Ouais les gars, là faut arrêter d'avoir peur. Si vous voulez que j'y aille, j'y vais. La Tristana là, qui prend une red card, le combo qui passe en plusieurs temps. Dommage la carte qui est pas partie. Vous avez vu ce que j'ai mis en un combo hein. Je mets quand même très très cher. Pas de taunt. Allez je vais poke là. On a encore un peu le baron Nashor, faudra en profiter. Sa très bonne route. Je tente le ton grave. Pas toi. Mais pourquoi tu les manges encore? T'en as mangé 50 dans la game. Oh je les braille. Fusionne avec le flash. Ah, je ressors une bleue là, ça me saoule. Pas de réussite sur les ZZ. Normalement on va quand même gagner le teamfight, on est vraiment en bonne position. Vous avez vu encore une fois le Zonia, y'a que moi qui suis mort d'ailleurs, 1 pour 4 totalement rentable. Le Zonia est juste oufissime sur Twisted Fate. Et voilà ça sur Ender en face. On a gagné cette game, elle était dure, on a eu pas mal de choses qui se sont mis un petit peu contre nous. Mais malgré tout on est resté concentré, on est resté focus. On a pris les bonnes décisions, on a su se feed petit à petit. Et on a gagné cette game. Franchement, si j'avais eu un autre champion de Twisted Fate, ça aurait été très peu possible. Hein. Très très peu possible. Là, j'ai eu cette possibilité à chaque fois de, quand les teamfights se passaient mal pour eux, d'aller en plus de ça chercher quelqu'un d'autre. Et c'est une victoire. Victoire en 28 minutes. Et on passe Platine 1, les amis. On va faire le changement de petit bordereau hein, que vous aimez tant. Vous en avez l'habitude maintenant. Le petit changement de bordereau. Changement d'overlay. Hop, on va passer sur le Platine 1. Platinium 1, on va supprimer celui-là, tac, et on envoie le nouveau, parce que je vous rappelle, il y a toujours marqué ici, Platine 1, peut-être que vous ne le voyez pas à l'écran, mais voilà, si on zoome un peu, vous le savez, le 1 est là, le 1 est caché, mais le 1 existe, il est présent, il est là. Et nous voilà, Platine 1 les amis, la dernière ligne droite avant le diamant, on y est, c'est parti. C'était une bonne game pour terminer. Et bah pour ceux qui sont sur YouTube, bah voilà, merci hein, d'être fidèles à l'émission. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo.